Vous vous installez, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en blanc, puis encore moins avec un petit bracelet dans les mains. C'est même pas important, ça. Vraiment pas. OK? Allez vous fermer les yeux, puis vous allez voir ce que je vais faire. À chaque début de méditation, je vais inspirer, hein? Je vais expirer, puis on ne contrôle pas la méditation, la respiration dans ce que je vais faire. Mais on va partir avec trois ohms. Les ohms sont des sons universels où est-ce qu'on va établir une fréquence entre vous et moi. Si vous êtes à la maison, vous avez envie de les faire, super. Sinon, it's OK. Faites juste écouter. Et quand on va terminer la méditation, on va terminer encore une fois par trois ohms. D'accord? Donc, on s'installe tout doucement. On va prendre une bonne inspiration. Vous pouvez garder les yeux ouverts parce que de toute façon, vous entendez le son de ma voix. Durant les premières méditations qu'on va faire ensemble, je vais vous guider, je vais vous parler. Je vais vous guider tout simplement là où observer. Présentement, tout ce que vous avez à faire, c'est observer qu'est-ce qui se passe dans vos pensées. À quel point ça roule vite. À quel point on peut penser à des choses qui n'ont pas nécessairement de sens. À qu'est-ce que j'ai mangé, à qu'est-ce que je vais manger, à mon travail, à une situation quelconque, ou encore à un mot, une phrase que j'ai dit durant le programme. Pour l'instant, on fait juste observer. Comme si on était sur un belvédère, avec, vous savez, ces grandes jumelles où est-ce qu'on dépose à 25 sous pour pouvoir observer plus loin le paysage. On observe comme si on était le paysage. On appelle ça la position de témoin. Comme si je déplaçais mon attention à l'extérieur de mon corps, peut-être à droite, peut-être à gauche, et que je m'observais tout simplement. Et je constate tout simplement que je suis assis en position de méditation peut-être. Dans mon salon, dans ma chambre, dans ma cuisine, dans mon auto, peu importe. Je prends conscience où est-ce que je suis. Je vais juste observer. Je vais juste observer comment je me sens.
respiration courte, respiration longue. Peut-être même observer que je ne perçois même pas ma respiration. Je peux peut-être même aussi observer tous les bruits qui m'entourent. Je perçois peut-être des bruits à l'extérieur. Tout est parfait. Ici, pendant quelques instants, François ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon attention, avec mes pensées? Est-ce que j'ai tendance à essayer de deviner qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que je perçois de l'insécurité un peu par rapport à où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Faites juste observer, sans catégorie, sans jugement, juste observer comme si vous étiez le paysage, comme si vous étiez en position d'observation sur le belvédère. En train d'observer dans des jumelles. Observez si vous n'avez pas le discours de « Est-ce que je fais la bonne chose? » Est-ce que je mets vraiment en application ce qu'il veut dire? Est-ce que je comprends comme faux ce qu'il nous enseigne? Faites juste observer. Si vous êtes du type dans ces pensées-là, observez à quel point prend place cette petite angoisse, ce stress-là à l'intérieur de vous, ce désir de contrôler, de tout bien comprendre. Faites juste observer. Présentement, je n'ai rien dit de faire. Je n'ai pas donné aucune méthode que ce soit. Pour cette première méditation-là, tout ce que je vous ai demandé, est d'observer. Tout simplement. Observez peut-être que votre esprit vous emmène ou vous suggère des pensées comme « j'y arriverai pas », « c'est plate », « ça donnera pas grand-chose tout ça ». Ou peut-être même pour certains « ah oui, ça fait du bien ». It's okay. It's a process. Comprenez que tout est pensé dans le processus que je vous partage. Présentement, mon intention
est de vous faire prendre conscience à quel point nous avons des pensées dans notre tête. Conscience à quel point on réagit rapidement. Notre mental nous suggère des pensées par automatisme. À partir de maintenant, on veut apprendre à observer tout simplement les pensées automatiques qui arrivent dans mon esprit, sans les nourrir, juste à observer. Tout simplement, on va terminer cette méditation-là en faisant 3 Om. Prends une bonne inspiration. Tout doucement, vous pouvez revenir ici, au moment présent, avec moi. Alors, c'était notre première méditation ensemble. Et oui, il est arrivé, vous avez fait 10 minutes de méditation qui semblait bien banale. Je vous ai emmené tout simplement dans l'observation de comment ça se passe présentement. Et souvent, on est engourdi, on n'arrive pas à percevoir tout ce qui se passe. Mais il y a des pensées. Vous savez, entre 60 et 80 000 pensées traversent notre esprit chaque jour. 95 % de ces pensées-là sont exactement les mêmes qu'hier. Nous, ce qu'on veut faire dans un cheminement de pleine conscience, on veut arriver à casser ces patterns-là pour devenir conscient que quand on est suggéré par mon mental des pensées, des conditionnements ou des images, de ne pas les prendre, et de décider de continuer à avancer en direction de ce qu'on veut. Pour l'instant, je n'ai pas partagé rien. Pas où observer, pas quoi faire avec ma respiration, pas quoi me dire exactement, rien. Tout ce que j'avais envie de faire dans cette méditation-là, c'est de vous faire prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça? Qu'est-ce que j'ai tendance à dire? Et c'est ça que j'ai besoin de savoir de vous. J'aimerais ça que vous commentiez ici, sous la vidéo, parce que vous allez m'inspirer, je vais pouvoir interagir avec vous. Qu'est-ce qui se passait dans votre esprit? Vous aviez des chaleurs, vous vous sentiez pris, vous aviez trouvé ça long, vous aviez hâte que ça se termine, vous avez vraiment aimé ça. Peu importe, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je suis avec vous, gang. Je suis là pour vous aider à progresser. J'ai vu des centaines de personnes avec lesquelles j'ai travaillé et c'est toujours les mêmes réponses qui viennent. Et là, vous êtes dans un programme, c'est intime ensemble avec nous. N'hésitez pas à prendre votre place, n'hésitez pas à être en vulnérabilité puis partager ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'on va arriver à déconditionner des patterns. Ayez confiance au processus, embarquez un pas à la fois. D'ici notre prochaine capsule, dans 2 jours, appliquez. Faites juste des 10 minutes par jour pour l'instant. 10 minutes, vous asseyez sur un coussin, vous mettez votre petit cadran et vous faites juste observer. Sans plus, n'essayez pas d'aller plus loin. Puis, essayez pas de pratiquer une autre approche de méditation que vous avez tendance à pratiquer. Embarquez dans ce processus-là pendant 21 jours. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Faites juste observer. Juste observer. Prenez des notes dans votre cahier de cours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez de ce qui se passe, de ce que vous êtes en train de vivre comme expérience? Et je vous le garantis, si vous devenez des excellents observateurs, vous allez réussir à
libérer toutes vos peurs de jugement, de critique, d'auto-sabotage, augmenter l'amour de vous, la confiance en vous, votre estime, avoir une meilleure clarté, capable d'avancer avec persévérance, détermination, avoir une meilleure discipline de vie, d'être capable d'activer ce que vous voulez, plus vous allez apprendre à vous observer. C'est la clé numéro un. C'est pas pour rien que je vous l'ai partagé dans le premier vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager des trucs supplémentaires pour être capable de progresser en direction de votre idéal de vie. Alors, c'était François Lemay. Merci beaucoup. Namasté.